Bonjour et bienvenue pour cette 333e édition de Un jour un comics, l'émission d'OriginalComics.fr qui vous présente tous les jours les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur OriginalComics.fr. Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter le nouveau titre de J.P. Ross. Vous savez que j'aime beaucoup J.P. Ross. Des séries comme Ancient Dreams, Thousand Night Gone, des séries comme Theory of Magic, des séries comme Rem 8 qui marchent assez bien sur Original Comics. On est content, d'ailleurs on est les seuls à vous le proposer en France et on a bien raison. La nouvelle série s'appelle Divinica. La couverture est signée bien sûr Eric Basaldúa et on retrouve les vieux compères, les compères de J.P. Ross, donc Eric Basaldúa qui est monsieur Don McTeague Monsieur J.P. Ross à la ville, hein, ils sont ensemble et tant mieux. Et on retrouve Don McTeague, justement, ça y est, j'ai fini par le dire, au dessin, dans un style graphique assez différent pour le coup, puisque on est sur des couleurs plutôt, on a l'impression que c'est les couleurs sont traitées un petit peu comme pastel, crayon à papier, voilà, il y a beaucoup de tests. Graphiquement aussi, c'est assez graphiquement et dans la narration, c'est assez différent. Il y a Ibas qui a dessiné un peu de page à l'intérieur. Voilà, ils ont essayé autre chose au niveau de la narration et au niveau de la mise en page. C'est assez différent, mais moi je suis assez fan, si vous voulez, du dessin de Don McTeague, pardon. Je trouve qu'elle fait des choses assez magnifiques et c'est souvent des grandes pages. C'est pas trop de la BD traditionnelle avec des cases, mais c'est tout le temps très très séduisant. Et vous la voyez, c'est Aphrodite. On va assister à la naissance d'Aphrodite, des dieux et des déesses, puisque c'est tout là la thématique forte de ce nouveau comics, de ce numéro 1. C'est ça puise son inspiration et sa source dans la mythologie grecque. Et nous allons assister donc à la naissance d'une déesse, à la naissance d'Aphrodite. Et donc ça va vous être raconté de façon très poétique et de assez charmante, comme très très souvent, si vous voulez, chez J.P. Ross. Et voilà, c'est un comics qui est dans une nouvelle fois très très beau et une nouvelle fois charmant. Je vous invite vraiment à le découvrir et c'est un numéro 1, c'est collector, voilà, et ça marche toujours très très bien sur originalcomics.fr. J'en profite pour vous rappeler que la campagne de financement du premier numéro de Ancient Dreams en VF, ça c'est la VO, est en cours sur Ulule, donc allez-y à faire un tour, puisque on va arriver à la deuxième partie de la campagne et que chaque précommande compte pour faire exister ce comics. Voilà, et celui-là, il est disponible en VO sur originalcomics.fr. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. Voilà, à très bientôt les copains, salut.